Ben, disons que Bordeaux sans des bouchons, c'est plus du vin. Ou alors j'ai dit une connerie. Ouais, il faut passer par-dessus. Soit tu passes sur les côtés, ou tu passes sur le coup, tu me reçois de l'étendre. Ouais, en passant par-dessus, ouais, c'est une idée. Il faut un hélicoptère pour ça. Oui, la station pour Dundee 33, les 73-51. Dundee 33, contact écouté, ici Diego 31, provenance de Toulouse, direction la de Bordeaux. Alors, je pense que je vais être emmerdé, tu confirmes? Putain, mais c'est la cacophonie totale là-dessus. Je sais pas combien on est, 50, 100, 10 000, hachis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'arrive là de Libourne. Donc, sortie 26, rocade Est. Et c'est à partir de la sortie 23 que là, c'est complètement bouché. Je viens juste d'arriver à passer un instant là le pont Rive d'Arsin. Une demi-heure, il te reste. Là, je suis sur la rocade. Hein, je suis sur le bout là du pont François Mitterrand, là du pont Rive d'Arsin, là en direction de. Ben, je m'en vais à Cadejac. Donc là, ce que tu viens de prendre, ben moi, je suis dans l'autre sens. Dans l'autre sens, dans le sens extérieur, si tu prends la rocade est, ça a l'air d'aller. Mais bon, c'est dans le sens intérieur là où c'est le caca. Hein. Ah ouais, d'accord, donc je pense que c'est bon, parce que ouais, moi je passe le grand pont et je prends la sortie 4, je crois que c'est la sortie 4, ça correspond également au centre routier là. Donc si jusque là ça va, ben, après c'est bon. Ah, donc rocade ouest. Ah là, je connais pas, je sais pas de ce côté-là à commencer. Moi là, j'arrive de la rocade est, donc carrément à l'opposé. Donc en direction du pont d'Aquitaine, autrement dit, je sais pas, il y a quelqu'un d'autre là derrière, là justement, là sur le canal. S'il a des infos, vas-y en avant, commencez là en direction du lac. Ah zut, je l'entends plus, quoi. Sur le pont, je l'entendais, mais là, c'est fini, ça passe plus. Ok, bon, moi, je suis à la broche, là, j'entends mieux que toi, moi, Denis 33, là. Donc, t'as les amitiés de Diego 31, opérateur Digui, là. Voilà, je te suis sur Facebook, habitué du 32FM, quand j'ai les habitants, les Landais, les Gascons, là-bas et tout. Sinon, là, je suis de Toulouse. Ben, depuis le temps que je te lis sur Internet, je me suis dit, j'ai remis le vieux Lincoln dans le mille-pattes là, et je scanne toute la journée depuis Montpellier ce matin, j'ai scanné les 40 canaux là, bon, il n'y a pas grand chose, mais je me suis dit, putain, quand même, en arrivant sur Bordeaux, je vais écouter quelqu'un ici. Ah, chier trois coups. Ah, mais toi, comme quoi, voilà, t'as donné la bonne explication. Tu scannes, donc tu restes en écoute. Et quand tout le monde reste en écoute, ça fait beaucoup moins de bavards. Ah, chier trois coups. Là, tu vois, là, j'ai pris le micro et ça a déclenché. Pour le coup, c'est tout le monde qui s'est jeté sur le micro d'un coup, puisque là, ça a été une totale cacophonie, là, pour le coup. Donc, oui, il faut prendre le micro. En tout cas, merci là, pour ton message. Tiens, justement, là, je suis actuellement en train de faire une petite vidéo. Quand j'ai vu comment c'est parti rapidement, là, en cacophonie, je me suis dit, là, il faut que j'enclenche ça vite fait, quoi. Par contre, je n'aurai pas le temps de m'en occuper ce soir. Je verrai demain après-midi, quoi que je rattaque demain soir. Bon, bref, ça sera fait au mieux. Hachi. Ok, ben écoute, moi, hier soir, j'ai eu la surprise, je suis remonté en réglé le Lincoln, là, tout, dans le camion, je dormais à 7, sur un parking, là-bas, à côté de 7, là, et je me mets sur le 19, à 22h30, donc je pensais pas que quelqu'un m'entendait, j'ai test, 1, 2, 3, 4, et là, il y a un gars en routier qui me dit, oui, ok, je t'entends, super, il passait juste sur l'autoroute, là, c'est un
on a Maxime qui est QAP 19, hein, sur le 19 là, et il fait les lignes Montpellier-Bordeaux, mais apparemment il roule la nuit parce qu'il est passé à 22h30 entre Sète et Béziers, donc je pense qu'il est arrivé en pleine nuit dans Bordeaux là. Voilà, et il était à l'écoute aussi, bah, moi je fais comme ça maintenant, il n'y a pas de propag en DX, donc je mets le silencieux là, le squat, et puis je scanne tous les 40 là, et puis je fais le curieux quoi, et puis de temps en temps je vais sur le 19, j'appelle. Parce que comme tu dis, hein, souvent il n'y a que des écouteurs, alors si tout le monde écoute, eh bien on n'entend rien. Oui, voilà, exactement. Et puis voilà, qu'est-ce que je fais? Je suis où? J'espère que je n'ai pas loupé la sortie. Putain, ce serait con ça. Je roule, mais je ne rentre pas où je roule. C'est pas grave, je fais demi-tour si c'est le cas. Oui, mais c'est vrai que moi c'est pareil. Hein. Je ne vois pas pourquoi je vais rester sur les subs en DX si la propague n'est pas là au moment où j'y vais. Ça ne sert strictement à rien. Si c'est pour voir après des messages... non, c'est bon, j'ai ma sortie qui est un peu plus loin. Si c'est pour voir après des messages sur Internet pour dire qu'il n'y a plus personne sur la CB, il n'y a plus personne sur la CB, si, il y a du monde, on est bien là. Voilà. Seulement, il faut avoir le courage de descendre du côté des 40 canaux et prendre le micro. Voilà, là, t'as eu l'exemple flagrant. Et voilà, j'ai pris le micro et puis d'un seul coup, paf, c'est arrivé de partout. Voilà, c'est aussi simple que ça, quoi. Bon, c'est vrai que ça marche pas, on va pas dire que ça marche à tous les coups. Mais dans la majorité des cas, oui, ça se passe comme ça, quoi. Ouais, ok, Dandy, ça dépend de la région où elle se trouve aussi, hein, parce que du côté de Toulouse, c'est assez mort. Il y a quelques habitués, mais le problème, c'est à telle heure, sur telle fréquence, tel canal, et voilà, les QSO papillons, moi j'appelle ça. Et moi, j'aime pas faire ça, et puis toujours les mêmes, hein, voilà. Et j'ai remarqué aussi, souvent, quand tu lances sur un appel sur le 555 en USB, ou même ailleurs, hein, tu lances appel, personne ne te répond, parce qu'on ne connaît pas, voilà. Donc, par contre, j'ai fait un test, tu vois, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un test. J'ai lancé appel, tu vois, je me présente, tout, personne ne répond en USB. Et après, j'ai commencé à siffler, tu vois, par curiosité, j'ai sifflé. J'ai sauté un petit air là, et là de suite, ouais, la station, t'as perdu ton chien, ou je sais pas quoi, j'ai dit, ah ben tiens, tu vois, je fais un appel normal, personne répond parce qu'apparemment on connaît pas, et puis après, dès que tu fais une sifflette, là, tout le monde s'en occupe, tout le monde parle, il y a les policiers qui sont arrivés, à chier trois coups. Alors, le truc qui se passe, c'est pas le fait de connaître ou pas connaître, c'est qu'en BLU, les stations n'aiment pas parler aux stations locales. C'est complètement con, c'est vrai que perso, moi j'appelle pas ça avoir l'esprit radio. C'est si la propague n'est pas là, ben au contraire, les QSO locaux sont les bienvenus, ça permet de faire un petit échange comme ça. Même si c'est que du blabla, peu importe, au moins l'échange il est fait. Et puis ça fait plaisir à tout le monde, quoi. De toute façon, pardon, je m'étrangle. Excuse. De toute façon, la radio, la CB, c'est fait pour quoi? C'est fait pour parler dedans. Donc, ceux qui n'ont pas compris ça, mais dommage. Dommage, parce que ça sert pourtant qu'à ça, la CB, à parler dedans. Hein. Voilà, je suis sur l'autoroute, là. Direction Toulouse, là, pour rattraper après Cadejac. Ok, ben ça passe bien, hein. Je pensais pas t'écouter aussi longtemps. Moi là j'arrive à la bifurcation, ouais, à la gauche Mérignac et puis Paris à droite là, donc moi je prends direction Paris là. On verra bien, tant pis, sinon je m'arrêterai, je ferai la clinique demain matin, là, je m'arrêterai au centre routier, puis voilà. Comme il n'y a plus trop d'heures, après je fais pas de grain, je fais tout le secteur Bordeaux là, puis après je rentre sur Toulouse demain là. Voilà, ouais, mais ce matin, à la hauteur de Narbonne, j'ai fait sur le 19 Olaola, il y a un espagnol qui m'a dit bonjour, voilà, mon petit espagnol, moi je l'ai pas copié longtemps parce que lui il bifurquait direction Perpignan en Espagne, puis moi j'allais sur Toulouse là. Voilà, donc je l'ai salué, et puis il était à l'écoute sur le 19 aussi, hein, voilà, c'était pas un français, mais peu importe. Donc il y a du monde là-dessus, ouais, mais comme tu dis, ouais.
à l'écoute, voilà. Écoute, moi je suis content, je suis avec juste une petite président Missouri, une président Missouri magnétique sur le haut du 1000 pattes là, avec un statique 575 et un vieux Lincoln, ma foi, pour faire du local, ça fait l'affaire. Tu m'étonnes, et tu sais qu'on s'est croisés là sur la route. Putain, je regarde le signal, je vois un camion passer, je regarde le signal, alors je me dis si c'est bon, c'est lui. Et ouais, on s'est croisés là. Ah, peut-être. Bah, moi, écoute, Citer le Blanche, un gros Volvo 500 chevaux, quoi, ça tu le verras pas. Un camion tout blanc, en ce moment il est pas trop blanc parce qu'avec les routes salées, mais il est un peu crado, j'ai pas eu le temps de le laver, puis comme il pleut, je vais pas le faire laver. Citer le Blanche, voilà, l'idée avec de l'oxygène dedans pour les malades. Ah, je croyais que c'était pour mieux respirer, ouais. Je pensais pas que c'était pour les assommer. Ouais. Voilà, je suis à 2 km de la sortie ville. Bon, toi, non, mais il marche bien ton matériel. Hein. Ah oui, je confirme. Hein. Ouais, ok. Bon, bah, écoute, je vais le Mercedes, je l'ai viré, et je préfère le Lincoln au niveau réception même. Voilà, et il a fait ça, c'est puis, ma foi, je fais des X, mais je fais pas comme ce que tu as dit, voilà, mais je sais, je suis quand même d'accord avec toi, que les X, il y a tout le temps, ah ben au moins tu entends les cigales comme ça, hachis trois coups. Alors là je suis en train de commencer à te perdre doucement, ça passe encore un petit peu, c'est pas très épais. Donc tu en vois visiblement davantage devant toi que derrière. Voilà, j'arrive à la sortie 1. Donc là, avant de te perdre complètement, parce que je vais arriver dans les QRM là, de Cadojac, je t'en ai les 2351 à toi. Merci pour ce petit contact, pour ce petit QSO. Bonne fin de route à toi et à la prochaine là-dessus. Et bonne nuit. Ah, ça y est, là je t'ai perdu, je suis arrivé au McDonald's de Cadojac. Là je t'ai perdu. Donc les bonnes sont très à toi, bonne route, à plus. Et oui, à plus sur Facebook pour commencer. Hachi. Ouais, je suis dans les QRM, là. Je vais m'arrêter un petit peu n'importe où comme ça en attendant parce que là je suis un peu en avance. Voilà, j'ai la première route que j'ai attrapée, là je me suis arrêté. Ok, ben allez, à plus, merci. Attention, Daniel Centaure pour Dandy 33 qui t'appelle. Oui, mon poulet, voilà, j'ai sorti, je suis passé par sortir, je suis à la mienne, à la brède. Ok, c'est bon ça, comment vas-tu? Eh bien le bonjour du matin. Eh bien écoute, ça va, je vais te discuter avec Didier là. Ouais Didier, ça va, ça te parle? Didier. Ouais, là à la seconde, non. Si, en fait c'est lui hier soir à l'embauche, à 1000 pattes, Citer. Ensuite. Que le con! Mais oui, bien sûr! Oui! Ah, tu m'étonnes! Putain, c'était folklorique hier soir, hein, sur le 19. C'est. Ouais, que je te raconte ça comme ça, mais bien vite fait. J'arrive sur le pont Rive d'Arsin. Et je prends le micro, je dis comme ça, c'est le bordel sur la rocade de Bordeaux! Ah, putain, nom de Dieu, ça a déchaîné les foules! Putain, pour le coup, tout le monde a pris le micro et puis en avant. Hein.
Ok. Voilà, donc oui, mais j'ai discuté avec lui là pendant un bon moment là. Mais j'étais encore sur les boulevards, enfin, du côté de chez moi, quoi, de Saint-Médard là. Et lui a tourné après pour aller sur l'évêque, là, parce qu'il m'a dit qu'il allait sur l'évêque. Voilà, et donc on s'est lâché là. Et puis ben là, toi, je suis chez moi là, chez moi, à la Brède, quoi. Voilà, je suis rentré là sur les ronds-points de la Brède. Ok, ben là, je suis à la sortie 1. Voilà, je suis en train d'attraper la ronde d'accès là, vers l'autoroute. Ok, ah ben, tu vois, on aurait pu presque se voir encore ce matin, vite fait, là, un peu de temps. Voilà, ben là, tu vois, oui, j'ai entendu l'heure, j'ai dit à tous les coups, il est par là-bas. Alors, je n'ai pas continué à lancer les appels, mais tu aurais pu me prendre parce que j'avais lancé les appels peu de temps avant que tu me répondes, là, mais bon, j'étais en stand-by derrière. Ok, ben j'ai tenté le coup, toi, là, je sortais là juste du pont. Je me suis dit, je vais tenter le coup de suite pour voir, on sait jamais. Et puis j'ai eu une défunte, quoi. Ah, c'est raison, là. Tu vas travailler ce soir ou t'es de repos ce soir, là? Alors ce soir, je m'en vais bosser du côté d'Absac par là-bas, pour la quatrième nuit. Ah, putain, ah ouais, donc le réveillon, encore ce soir, Wallou, quoi. Oui, ben, comme tous les ans, depuis 20 ans. Ouais. Ah, il y a eu un break derrière, je sais pas si c'est pas d'idée, dis donc. Oui, c'est ça, ça y est, merci, je t'en parle au loin, là, ça y est, je suis parti en Olivec, là, je vous ouvre la question derrière à livrer, c'était juste pour saluer Rémi, lui souhaiter une bonne journée, Rémi, je t'écoute aussi un peu plus fort que Daniel, là. Ah oui, ça passe, tu m'étonnes. Là, j'étais un petit peu perdu là sur la fin. Et là, j'ai à nouveau enclenché la vidéo. Donc, tu pourras voir ça. Putain. Hey, Daniel, 100 heures, sans déconner, les journées elles sont trop courtes. Hein. J'aurais besoin de deux journées en une. Je suis trop gros. Mais c'est surtout au niveau modulation que tu cartonnes. Le signal, bon, ok, il est ce qu'il est, bon, il est quand même pas mal. Mais au niveau modulation, putain la vache, c'est du Radio 5. Hein. Ouais, ok, merci, mais c'est du Astatic 675, mon vieux micro Astatic, là, sur le vieux Lincoln, là, et là, le micro, il est réglé à peu près 50% de la modulation, là. Ok, ben je suis en train d'arriver en plus là à la rocade. Oh là là, mais ça marche impeccable, putain, je passais pas avec cette petite antenne Rikiki. Bon allez, je vous salue là, Daniel, merci, à plus, et puis comme quoi le monde est petit, hein. Voilà, Rémi, il connaît les blés là-bas où j'habite, où je suis natif, le père Daniel là, salut. T'es toujours là, Daniel? Alors, c'est bien, je l'entends parler, mais là où je suis passé, là, c'est trop clair, c'est pour moi, c'est là. Pour moi, c'est trop clair, c'est là. Hein. Voilà, en plus, je suis garé, tu sais comment on doit se garer en CDSO. Donc, je détourne le coup, malheureusement, là, donc je vous le retrouve. Voilà. Ok. Ben, c'est ça, comme tu dis, c'est bien, je vais essayer. Je
téléphoné tout à l'heure, je vais regarder là. What? Ouais, Didier, t'as eu Roger là de ce que t'as dit Daniel? Ouais, je suis en train de vous perdre là tous les deux. Là, je suis à la hauteur de la sortie 21, là, Roca Drive droite. Non, pas encore, tout à fait en bas. Voilà, ok. Eh bien, je vous ai envoyé les bonnes 1351 à vous deux. La bonne journée, car là, je suis en train de vous perdre. Voilà, je suis. pardon, je suis en train de m'étrangler. Je dois être à la hauteur du carrefour de Bègle dans ces coins-là. Voilà, je suis. J'ai le pont là qui est. Le pont Rive d'Arcin qui est droit devant moi. Ouais, ok, Daniel a pas repris, je pense qu'il a dû partir aussi au boulot. Salut, Rémi, je suis dans deux jours là, mais ça fait bien là. Moi, je pense qu'il a repris là. Le truc qui est arrivé, tu vois, en plus, voilà, on fait tous. Ouais, il est derrière là, Daniel. De se retrouver sur l'air là. Voilà, allez, 73 à venir, un peu bien là, je passe le classer. Et ça va les inviter à Didier là-bas. Ok, ben je suis sur le pont Rive d'Arcin en ce moment, je suis en train de passer dessus. Les 73-51, vous deux. La bonne journée, à plus. Ouais, salut Gilles. Les 73 à toi, Gilles. Alors tu as Daniel, tu as Didier là qui sont. Daniel il est rendu sur son QTH. Didier il est rendu aussi de son côté. Il est en 1000 pattes. Et toi qui est peut-être pas loin d'être rendu au pro aussi. Bon bah là ça passe plus. Hey, achète-toi un vrai poste. Bon là je suis pas loin d'arriver là sur la côte de Bouillac. Hein. Bon ben d'accord, ça passe plus non plus de ce côté-là. Attention la planète ou Christophe pour Dandy 33 qui vous appelle. Bon, ben visiblement, eux, ils sont soit pas sur la région ou chez leurs clients. Yeah.
Je passe très bien d'ailleurs les critiques qui sont. Ah oui, ça va être Et ce 113-51 des stations en fréquence de la part de Dindé 33 depuis le pont de la rocade de Libourne. Et bonne journée!